Une dernière petite question. Oui. Il y a une dame qui m'a demandé tout à l'heure, qui a insisté là-dessus. Oui. Bonsoir. Mariam Oui. Fabika, comment tu vas? Qui a insisté là-dessus, surtout le Ramadan, là, affaire de ça s'appelle les grandes ablutions, non? Il y en a, voilà, en sous-sous. Oui. Grandes ablutions. Que comment Oui. il faut le tout quand elle jeûne? Si c'est la même chose, machin, elle veut savoir, elle veut vraiment savoir ça. Elle m'a demandé ça hier, elle a insisté dessus. Non, ok. Ben, t'as pas dit comment elle fait ou... Elle dit qu'elle a oublié. Ok, ouais, bon. On va faire simple, Le c'est... plus possible, quoi. D'accord. Merci. Merci Ramadan, toi aussi. C'est simple, c'est Parce simple. que... C'est simple, Djanaba, il y a ce qui nous pousse à faire aide. Comment tu vas? Je ne t'ai pas vu hier. Allô, tu m'entends? Très bien. Ah, d'accord. C'est simple. Pour faire, comme on dit, la grande ablution ou bien les grandes ablutions, c'est simple. Bon, avant de faire d'abord, tu laves bien la partie génitale et pour enlever le truc qui est là, le sperme qui est là, donc il faut tout enlever. Voilà. Après, tu décides au fond de toi, ben, formuler comme hier on l'avait dit. Voilà. Le On dit l'intention. Donc, vœu, voilà. Après, ça met ça au fond du cœur. Après, tu fais les ablutions comme la façon dont la tu fais l'ablution pour aller prier. Après, tu verses l'eau sur toi. Bon, mais certains disent que bon, il faut commencer à gauche comme ça, il faut diviser tout ça là, c'est compliqué. Parce qu'on ne peut pas diviser, un être humain ne peut pas diviser à l'avance son corps. Donc, les ablutions, après tu viens, tu mets l'eau sur toi et voilà, il faut voilà, bien frotter comme ça. Si tu as beaucoup de cheveux, il faut que l'eau rentre très très bien voilà, dans tes cheveux comme ça. Il Ça touche le cuir voilà. chevelu. Voilà, faut bien rincer quoi, il faut bien rincer les cheveux. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas trop compliqué. Voilà. Que ce soit pendant Ramadan ou pas. Donc, c'est la même chose. A Elle n'a pas... pas besoin de mettre l'eau dans un petit seau ou dans un petit bol. Il faut le faire directement à la douche. Non, ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Parce que si il a un seau avec, si la personne a, avec elle, si il a un seau avec elle, donc, mais elle a peur que vraiment, il y a un petit calebasse ou bien une tasse comme ça. Pour ne pas salir l'eau, là il peut prendre, voilà, mais ça c'est en Afrique. Et ça c'est vers l'Afrique parce que là il n'y a pas de problème. En Europe ici, en tout cas dans les pays occidentaux, ouais, les pommes sont là, il est au-dessus du monde. Donc après avoir fait tes ablutions, après tu ouvres, tu viens, voilà, tu mets l'eau sur toi et tu te laves, c'est tout. Voilà. Très simple. C'est très simple, oui, donc il n'y a pas de complications. Simplement que possible, quoi, pour ne pas compliquer les choses. Voilà, et L'islam puis aussi, certains. c'est la vie Voilà. aussi. Non, mais voilà, vous faites même à dire que c'est la facilité. La religion, l'islam, c'est la facilité. Adine Youssouf. Donc, bon, mais certains même disent que, bon, seulement il faut faire. Tu peux formuler l'intention avant de rentrer. Tu te mets l'eau sur toi, tu te laves. Avant même faire les ablutions. Voilà, ça aussi, bon, certains le disent aussi. Tu rentres, après, tu mets l'eau sur toi et tu te laves. Après, tu fais tes ablutions. Voilà. Oui, j'espère qu'elle comprendra. Voilà. Mais c'est bon, c'est ce qui est mieux quand même. Il faut laver après, tu fais tes ablutions avant de te laver.
Mais si tu fais l'autre aussi, c'est pas mal aussi. Voilà. L'un dans l'autre, rien n'est mauvais. Voilà. Abrir une fois. L'essentiel, voilà, l'essentiel est que tu te laves. Va te laisser comme il y a les. Oui, ils ont coupé mon direct et j'ai un gros problème. Quand je veux écouter le Coran sur YouTube, ça me fait toujours quand je suis en direct, ça me va mettre toujours la même musique. Je ne sais pas d'où ça sort. Tout ça, c'est les sorciers là. Mais même s'ils font ça, moi, je vais faire. Non, 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 mais tu... Non, non, mais tu cherches à le courant dans... Je ne sais pas, parce qu'il y a des publicités, il y a des chaînes qui... Voilà, c'est ça. Awanana. Voilà, non, Jamais mais... il va se démonétiser, Manaki. Néna, on t'a. C'est Ça, ça. c'est maintenant que mon YouTube, non, la chaîne, mon publicité, d'ailleurs. Parce que et là, ma couille. Non, n'y fais pas toi, pipe ton femme. Pipe ton femme. Oui, qu'est-ce que tu as mon ami? On peut acheter ici encore, ça veut dire quoi ça? Attention, ma collègue va me poser pour les. Bon Ramadan, toi aussi, mon beau frère. Ils ont coupé ton direct, les sorties. Oui, Chimène, ils ont coupé. Mais bon, Idikieta, comment ça va? Il dit. Idikieta, je crois. Ouais, il dit, c'est mon ami. C'est mon ami. Non, mon ami, c'est pas bien. Il y a un mort là aussi. Condé, le reste, je ne sais pas comment il a écrit ça. Si c'est José ou je ne sais pas. Encore un temps. Il n'y a pas de question, non, il n'y a pas de question. Celle qui voulait savoir ça, j'espère qu'elle va comprendre. Voilà, Inch'Allah, et puis elle va se débrouiller là-bas, hein. Vous savez, hein. Non, en tout cas, Inch'Allah, pendant ce Ramadan-là, même 5 minutes ou 6 minutes comme ça, 10 minutes, on va oui, faire. Oui, là. Même 5 ou 6 minutes, oui, c'est vrai. Pour répondre à quelques questions. Voilà. Même s'il y a pas de, même s'il y a pas de questions, nous on peut implanter des questions. Voilà. Bah. D'accord. Ouais, comme on a fait aujourd'hui, des questions que les gens se posent régulièrement, quoi. Voilà. Donc, merci, Monsieur Diallo. J'espère que hier vous avez bien coupé votre jeûne là. Voilà, je vais chacun. Est-ce que si on est fatigué, on peut s'asseoir pour prier? Comme une vieille. Si on est fatigué, on peut pas s'arrêter. Voilà, on a du mal à s'arrêter vraiment, vraiment. Mais je ne dis pas bon, je dis bon, c'est vraiment fatigué quoi. Que tu es empêché vraiment de t'arrêter là, oui, tu peux le faire. Mais celui qui fait comme ça par exprès, bon, dit bon, il a une petite fatigue là. Et s'asseoir à prier comme ça, non, ça c'est interdit. Parce que s'arrêter et prier, c'est l'une des conditions, ça fait partie de. De la prière. Voilà. Et pour celui qui tu as compris, il faut être. Quand la fatigue est supportable, quand la fatigue est supportable, tu supportes. Voilà. Moi, je sais qu'il y a un hadith, je crois que c'est un hadith ou je ne sais pas c'est quoi. Une fois, le prophète, paix et salut sur lui, il était malade ou fatigué. On lui versait même de l'eau dessus. Il tombait, il se relevait. Il tombait, il se relevait pour aller faire la prière. Je pense que j'ai entendu une histoire, quelque chose comme ça. Donc, il faut être vraiment, 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 vraiment fatigué pour s'asseoir, comme les mamies. Là. Mon arrière-grand-mère avait des problèmes aux genoux. Elle s'asseyait, elle ne marchait même pas. Donc, elle était obligée d'être tout le temps assise. Voilà, j'espère que tu ne vas pas à ce niveau. Donc, tu finis des efforts.
Voilà, le problème de ce genre comme ça, on a mal aux genoux, on peut pas s'asseoir, on ne peut pas s'arrêter vraiment longtemps. Là, Longtemps, oui. voilà, là, c'est. Voilà, ça, il est recommandé à cette personne-là de s'asseoir et prier. Mais si ce n'est pas le cas, non. Et bien, comme un jeune comme moi, là, je dis, bon, ah, vraiment, tu as tout dit, ouais, tout en moi, ça ne va pas. Allez, non, ma c'est pas ça. Ah oui, voilà, pour moi, comment ça va? Il y a quelle Donc, est l'invocation qu'on peut dire? Mamet, idée, quelle oui. est l'invocation qu'on peut dire avant la rupture du jeûne? Ça dépend de vos problèmes, hein. Je ne sais pas ce que vous voulez aussi, non? Ce qu'on peut Oui, dire. ouais, il y a une invocation qui dit ça directement, mais comme c'est en arabe, mais moi je vais dire en notre langue, là, c'est simple quoi. C'est que tu as jeûné pour Dieu, mais tu dis, tu te demandes, bon, ça dépend comme tu viens de dire, c'est ça. Mais le professeur, lui, souvent, il disait, il avait l'habitude à dire que Alors, Maïni, Sumtulaka, Aftartulak. Donc, le prophète, il disait ça. Mais comme toi, tu ne peux pas dire comme lui, bon, tu peux dire que, ah, Maridi, Ntungunebe, Ntungutanambe, donc, Iramashuitungura, c'est normal. Il n'y a pas. Non. Donc, oui, nous sommes relativement. Voilà. Il n'y a pas, y a pas une vocation précise, très, très précise. Non. Il n'y en a pas. Voilà. C'est pas les mathématiques, quoi. Voilà, ce n'est pas le matériel. Il n'y a pas de formule. Voilà. Net, net, ou. Je ne sais pas quoi dire. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu jeûnes. Il ne faut pas faire comme les bouzoukaba qui sont à côté de toi là-bas. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis, Kayette, comment tu vas? Bonjour. J'espère que tu vas bien. Je vais vous laisser peut-être à demain ou après-demain. Après, si vous avez des questions, vous pouvez peut-être écrire sur mon WhatsApp et écrire votre nom pour que je sache parce que, bon. Il y a des moments, ce n'est pas facile de répondre. Inch'Allah, peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas. On va le reprendre. Shérif Mouktar dit de l'appeler. Il faut. Ah, ok. Ah, j'ai vu que les n'était pas dedans. Bon. Allô? Y a un Shérif Mouktar qui veut intervenir. Qui? Shérif Mouktar. Ah, d'accord. D'accord, pour ma part, je dis, bon, je vais faire une invocation pour tout le monde. Voilà. Je dis, ouais, je dis, bon. Allô? 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 Nous avons ces mêmes faits, vous, en enseignant les faits. Allô, c'est bon? En avoir les faits, quoi. Ben c'est bon? C'est bon Nous maintenant? avons les faits. Afaydi, tu m'entends? Ah ouais. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alayhim, Ghayril Maghdubi 'Alayhim wa Ladh-Dhaallin. Bismillahirrahmanirrahim, Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad, wa Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad. Bismillahirrahmanirrahim, Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, Min Sharri Ma Khalaq, wa Min Sharri Ghasiqin Idha Waqab. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Non, c'est pas, voilà, c'est pas facile. Peut-être l'islam, c'est pas, c'est un peu, voilà. Nous, on maîtrise, peut-être on maîtrise pas bien. Peut-être hein, on peut faire des. Donc, le savoir appartient au bon Dieu. Donc, peut-être on peut, dans mes interventions, peut-être je peux faire des erreurs. Voilà, mais c'est des erreurs qui vraiment c'est involontaire quoi. Voilà, c'est des erreurs involontaires, donc on peut faire des erreurs. Chérif, ça, il faut voilà. Envoyer la demande, voilà. Parce que moi j'arrive pas à vous rajouter comme ça. Si quelqu'un trouve des erreurs, donc de ne pas m'en vouloir, donc c'est ça. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Ouais. Et puis à bientôt. Inch'Allah. Okay. Demain, on va faire demain. À demain, Inch'Allah. Attendez, hein, j'essaie de rajouter quelqu'un, c'est pas prévu, mais comme il insiste, on va voir si ça va prendre. Monsieur Chérif, j'essaye, hein, Monsieur Chérif Mokhtar Bala, j'essaye de vous rajouter. J'espère que ça va prendre, je ne sais pas. Il faut mettre votre téléphone dans ce sens-là, monsieur Ba. Pas comme ça. Comme ça. Vous mettez votre téléphone comme ça. Si vous mettez comme ça, c'est pas bon. Vous faites comme ça. Oui, monsieur, comment ça va? Oui, salam alaikum, madame. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Alhamdulillah. Et chez vous là-bas? Oui. Le carême, ça marche bien? Ah, on est dessus. Ça va, ouais. Alhamdulillah, pour l'instant. Merci. Que Dieu exauce nos prières. Amin, amin, amin. Fasse parmi les gens qui vont rentrer au paradis, Inch'Allah. Amin, amin, amin. Je viens juste de vous prendre en marche. Je ne sais pas le thème de votre vidéo. Je viens juste de vous prendre en marche. Mm-hmm. Bon, je ne sais pas. Pardon? Oui. Non, il n'y a rien de spécial. Hein. Il répond à une question. Les gens qui font exprès de ne pas jeûner, c'est-à-dire qui décident comme ça, moi, aujourd'hui, je ne jeûne pas. Voilà. Ou hier, je n'ai pas jeûné. Les conséquences de cela et ce qu'il faut faire pour se rattraper, pour se racheter plus tard. C'est ce qu'il expliquait. Après, si vous avez quelque chose à rajouter, pourquoi pas? Par rapport à... Vous avez compris ou pas?
Non, je ne vous ai pas bien saisi. Je pense que c'est un thème ou bien c'est juste faire une participation. Je ne comprends pas trop. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous avez dit pourquoi je vous appelle? Non, je pense que c'est un thème. Je pense que c'est purement islamique qui est là. Oui, mais peut-être que tu décides. Les gens qui décident de jeûner un jour comme ça, là, la personne décide sans rien, il n'est pas malade, il n'a rien, il est normal. Alors moi, je ne gêne pas aujourd'hui. Quelles sont les conséquences et qu'est-ce que cette personne doit faire plus tard pour se rattraper? Le jeune qui l'a loupé là. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est malade, quoi. Quelqu'un qui décide de ne pas jeûner. Comme ça. Vous avez compris ou pas? Vous avez l'air perdu? Vous allez. Oui. Ok. Vous allez. Pas... Je dis non, pour les. La prochaine fois. Et puis oui. On verra, d'accord? Oui. Je dis pour ne pas abuser de votre antenne. Il faut toujours sensibiliser les musulmans, faire une sensibilisation de s'abstenir à ne pas manger ni boire. C'est-à-dire que. Qu'est-ce que cela veut dire de faire l'applicabilité, c'est-à-dire gêner, surtout quand on est je pense que c'est mois de Ramadan que chaque musulman doit vraiment adorer Allah. Et c'est un mois, ce que Dieu nous a dit dans le Coran. Ba'da'ouz billahi minash shaitanir rajim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatil qadr laylatil qadr khayrun min alf shahr. Donc c'est dans ce mois que se trouve un jour spécial qui s'appelle laylatil qadr. Donc c'est dans ce mois. Donc on peut pas citer les avantages qui se trouvent dans ce mois béni. Donc c'est un mois qui est très rempli de chasses, un mois très béni. Un mois qu'on doit se repentir, un mois à ne pas chercher des péchés. Je crois aussi que c'est un mois à peu près inexplicable. Vous comprenez un peu? Donc, je crois un peu que c'est ça. Je profite aussi de votre direct pour faire un peu des invocations, un peu de doua pour que. Je pense parce que vous êtes en Guinée, non? Pardon? Je dis, vous êtes en Guinée ou bien. Je suis quoi? Je dis, c'est votre direct, c'est par. Vous êtes guinéenne ou bien je ne comprends pas trop? Oui, bien sûr, je suis guinéenne, oui. Ah, oui. Donc, je vais faire quelques prières, Je vais exaucer Dieu pour que notre pays aussi. Arrive à être un pays émergent pour que les fils de pays participent vraiment au bien de ce pays. Donc, c'est ça un peu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi ilana min amrina rasada. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastakhis wa la takilna ila anfusika tarfat aynin wa la aqama min dhalik. Ni'ma al mawla wa ni'ma al nasir hasbi Allah wa ni'ma al wakil. Merci madame, et je suis vraiment parce que ici où nous sommes actuellement, je pense qu'il est l'heure de la rupture. Oui, donc, allez-y. Je vais vous laisser. Allez-y, laissez-moi quand même. Vous êtes pressé là, allez-y. Bonne rupture, et puis à bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ok, ben merci à tout le monde. Peut-être à demain, Inch'Allah, ou après-demain, on verra. À la fois, on va dire à la fatina fanna ba on yaira, à la oisongari, on va dire à la si maya santé a bien yigi nous soutenir qui, à la ranima formation, on va dire 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 à la ranima formation, on